Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course du lundi, comme d'habitude. Donc c'est parti, vous dis mes repas et après on enchaîne avec les courses comme d'habitude. Donc c'est parti, donc le planning du repas du 14 août au 20 août. Donc mardi, midi, c'est pâtes, épinards, crevettes grillées, yaourt et fruits. Ensuite, le soir, c'est frites, poulet, salade verte, yaourt. Le mercredi, on est invité, mais normalement c'est risotto crémeux aux champignons, donc ça je pense que je le ferai lundi prochain. Ensuite, c'est croque-monsieur et salade verte le soir. Jeudi, c'est purée de chou-fleur et saumon, enfin pavé de saumon. Le soir, c'est salade de lentilles, tomates et chèvre, donc ça va être bon, ça je pense. Ensuite, le vendredi, c'est roulé de pommes de terre au saumon et salade. Le soir, c'est wok asiatique et yaourt. Le samedi, donc c'est les restes du vendredi midi. Le samedi soir, on va faire un petit barbecue chez mes parents, puisque à 4h, on est invité dans la famille. Ensuite, le dimanche, donc c'est aubergine farcie. Et le soir, c'est salade d'endive, pommes et gruyère. Pour le goûter, donc on a mardi, mercredi et jeudi, c'est gâteau au yaourt, fleur d'oranger et pépites de chocolat. Et le vendredi et dimanche, c'est muffins, amandes, chocolat. Voilà. Pour le petit déjeuner, ce qui sort de l'ordinaire, mercredi, bol cake, banane, choco avec un jus d'orange. Et le dimanche, je vais me faire une semoule au lait. J'avais adoré l'autre fois, donc voilà. Donc voilà pour les menus. Donc c'est parti, je vous laisse avec les courses. Je voulais vous dire, avant de vous laisser avec les courses, n'oubliez pas, j'ai une page sur Facebook, c'est Rendez Jolie, mon combat contre l'obésité. Et je vous mets plein de recettes que je ne fais pas forcément en vidéo, mais vous y trouverez quasiment toutes les recettes. Et je vais vous partager mes planning repas, voilà. Donc toutes les semaines, je vais vous mettre le planning repas de la semaine passée avec les recettes qui vont avec. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pourrez vous en inspirer. Donc bien évidemment, moi je calcule avec Weight Watcher. Je ne mets pas toujours sur les recettes si c'est Weight Watcher ou pas. Pour celles qui font et ceux qui font, vous pouvez calculer avec vos quantités à vous, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti, maintenant je vous laisse avec les courses. Donc c'est parti, on y va avec les courses. Comme d'habitude, on commence avec le frais, je range, je vous montre le reste. Donc on va commencer par le poisson. Donc j'ai pris deux pavés de saumon d'Atlantique comme ceci. Il s'est tombé. Bref, comme ceci. Voilà, on va les goûter, ils sont sans arête, donc on verra bien si c'est bon. Ensuite, j'ai pris de la truite fumée. Ça, c'est pour faire le roulé pomme de terre saumon. Donc, j'ai pris de la truite fumée, je préfère. J'ai pris donc 300 g de crevettes. Ça, c'est pour pâte, épinards, crevettes. Ensuite, j'ai pris du viande hachée 5%. J'ai repris des filets de poulet. Voilà. Ça, je vais les séparer en deux. Enfin, normalement, ils sont tous passés dans la semaine, donc voilà. Ensuite, j'ai pris du filet de bacon. J'ai pris deux tranches de jambon. Ça, c'est tout pour la viande. Pour ce qui est du fromage, j'ai pris un râpé allégé. Ah oui, on reprend les bonnes habitudes. Maintenant, c'est fini les vacances. Du parmesan râpé. Une plaquette de gruyère allégée comme ceci. J'ai repris un mystère du prieuré pour le chat. J'ai pris du carré ail et fines herbes 0%. Et du chèvre frais. En yaourt, je me suis repris un pack de Yoplait. J'en ai encore des tailles fines, mais là il y avait les Yoplait 0%, donc on est profité. Je me suis repris 4 yaourts nature, ça il faut toujours en avoir. J'ai pris pour le chat du riz au lait pour changer les yaourts aux fruits. Je lui ai pris la laitière, les mousses feuilletées au chocolat. Voilà, j'espère que ce sera bon. Ensuite, de la mâche. Et voilà, c'est tout ce qu'il vous offrait. Donc je range le poisson et la viande et je vous reprends après. Pour ce qui est d'épicerie, il n'y a pas grand chose. Je me suis repris un lot de berlingots de crème. Ça, j'en prends à chaque fois, il y en a toujours besoin. Je me suis repris 2 litres de lait si jamais je veux faire de la pâtisserie. Ensuite, j'ai pris un riz pour risotto. C'est la première fois que je vais tester, on verra bien. J'ai une recette de risotto à faire, donc voilà.
j'ai repris de l'amande en poudre, des pépites de chocolat et de la levure, j'en avais plus. J'ai également repris une boîte de macédoine, voilà, ce sera pour un soir, et du pain de mie white bread complet. Donc voilà, ça c'était pour les denrées alimentaires, on va dire. Et moi, je me suis pris un petit bloc-notes comme ceci, donc à petits carreaux. Ça, ça va être plutôt cool. Et je me suis pris un bâton de colle. Ensuite, pour ce qui est des fruits et légumes, j'ai repris mon fameux kilo de banane. Alors franchement, je suis de plus en plus déçue de Leclerc, CF. Je suis dégoûtée. Les bananes, elles sont déjà abîmées. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, je suis de plus en plus déçue. Bref, pas grave, donc j'ai pris un kilo de banane. J'ai pris 250 grammes d'échalotes. Ensuite, j'ai pris des nectarines. Voilà, j'en ai pris 5. Ça change un petit peu des fruits pendant que c'est encore la saison. Ensuite, j'ai repris des oranges à jus pour mon jus du matin. Des pommes. J'ai repris 5 pommes. J'aime bien à 10h mais manger une petite pomme, ça cale bien. Une aubergine. Ça, j'en ai besoin pour une recette. Et une endive. Donc voilà, mes courses sont finies. J'espère que ça vous a plu sur ce. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Bisous!